Autre chose maintenant, avec la performance du constructeur Toyota en passe de devenir le premier au monde. Le Japonais a vendu 2 350 000 véhicules sur la planète au premier trimestre 2007, mettant ainsi fin aux 76 ans de suprématie de l'américain General Motors. Claude Guénaud, Olivier Thiette. C'est sur les trois premiers mois de l'année 2007 que tout s'est joué. En vendant 90 000 voitures de plus que General Motors entre janvier et mars, Toyota est devenu le premier constructeur mondial. Dans ce classement, Peugeot-Citroën occupe la 7e place et Renault la 9e. La progression de Toyota était fulgurante, passant de 5,7 millions de voitures en 2000 à plus de 9 millions aujourd'hui. À la base de ce succès, la réputation de fiabilité légendaire qui est devenue un argument de vente des concessionnaires. Et l'innovation, comme avec la Prius, une voiture à la fois électrique et à essence. On est très pointilleux sur la qualité et je crois que l'exemple le plus criant, c'est quand même la Prius. On sort un véhicule hybride technologiquement très évolué et aujourd'hui, cette voiture a zéro défaut. Nous avons des taxis qui ont 300 000, 400 000 km. En Europe comme en France, le véritable décollage a eu lieu après 2001 avec la construction de l'usine de Valenciennes. Depuis, la part de marché de Toyota en Europe a plus que doublé pour se rapprocher de celle de Fiat ou de Renault. Une expansion que dénonçait dans les années 90 le PDG de Peugeot, Jacques Calvet. On est en train de permettre aux Japonais de croquer l'industrie automobile européenne comme ils ont déjà croqué une bonne partie de l'industrie automobile américaine. Et si on compare aujourd'hui les performances, avec guère plus de personnel que Peugeot Citroën, Toyota fabrique trois fois plus de voitures et engrange des bénéfices qui frôlent les 10 milliards d'euros contre 176 millions pour le français. Mais Toyota a cessé d'être l'ennemi, il est même devenu partenaire. Toyota et Peugeot ont construit ensemble une usine en République tchèque où l'on fabrique un modèle vendu sous les trois marques.